m'appelle Mélanie Pitiot, j'ai 18 ans, je suis franco-mexicaine et cette année je m'inscris chez Modart en filière stylisme-modélisme. Je m'appelle Jeanne Choquet, j'ai 18 ans et j'intègre la section stylisme-modélisme à Modart cette année. Bonjour, je m'appelle Maïs Arnaud, j'ai 18 ans et je fais ma rentrée à Modart en septembre 2023. Alors ça a commencé depuis toute petite, je dessinais beaucoup des créations, des vêtements sur les petits carnets de top modèles comme toutes les petites filles de mon âge, de ma génération ont pu connaître. Depuis toute petite, je baigne dans la mode avec mes deux grands-mères, que ce soit dans la couture ou dans la vente de vêtements du côté de ma grand-mère maternelle. Donc c'est un milieu qui me plaît depuis toute petite et j'ai décidé de sauter le pas et d'intégrer une école de mode pour pouvoir poursuivre mes rêves et ce qui me plaît depuis longtemps. Depuis toute petite, je suis passionnée par la mode. J'ai toujours su que je voulais faire un métier qui était en lien avec mes passions, donc j'en ai deux, la mode et la danse. Je me suis tournée vers la mode dans le but de potentiellement finir en tant que directeur artistique d'une grande maison. Je fais depuis un peu plus d'un an de la couture en atelier avec une professeure particulière. Donc je fais des créations régulièrement de tout type. Ça peut aller de la jupe jusqu'à la robe, des hauts, un peu de tout, des vestes. Et j'ai hâte de pouvoir en apprendre plus chez Modart pour faire des créations encore plus impressionnantes et parfaites que celles que je peux faire aujourd'hui. Depuis la fin du collège et le début du lycée, j'ai beaucoup dessiné des vêtements. C'est donc mon père qui m'a poussée à entrer dans des écoles de mode. J'ai visité plusieurs écoles avec lui. Mais également, cette passion pour la mode, je la lie avec la danse, car j'ai un groupe de danse avec lequel on filme des chorégraphies et j'aime beaucoup choisir les tenues qu'on va porter selon la chorégraphie qu'on va faire, etc. Quand j'ai effectué les portes ouvertes, j'ai visité plusieurs écoles de mode, mais celle qui m'a le plus touchée, le plus attirée, c'était surtout Modart. Notamment, je connaissais déjà une professeure avec laquelle j'avais eu des cours particuliers de couture. Je trouvais que leur méthode d'enseignement était très bonne, très minutieuse, on apprenait très très bien. Pourquoi Modart? Parce que c'est une école qui m'a beaucoup plu lors de la journée des portes ouvertes. Elle est située dans le centre-ville de Lyon et puis dans un campus qui accueille beaucoup d'écoles différentes. C'est ce concept qui m'a beaucoup plu et c'est pour ça que j'ai souhaité intégrer cette école et pas une autre dès septembre 2023. Alors pourquoi Modart? J'ai visité trois écoles sur Lyon de mode. Mais Modart, donc ça a été la dernière école que j'ai visitée. C'est là où je me suis sentie le plus à l'aise. La filière que j'ai choisie de stylisme et modélisme a pour but de former à la fin du bachelor des directeurs artistiques de collection ou voir pouvoir créer sa marque. Et c'est ce que j'aimerais faire à la fin de mes études, voire commencer en parallèle. Ce serait mon objectif de carrière, donc de devenir directeur artistique d'une grande maison ou même pouvoir créer ma propre marque et pouvoir créer un nouvel univers au sein de la mode.